Prince William, cette bataille massive qui oppose George et Charlotte presque tous les jours. Dans le podcast Apple Fitness Plus Time to Walk, le prince William a fait de rares confidences sur ses enfants. Impossible d'avoir oublié les nombreuses grimaces du petit garçon pendant la fête, qui s'était même amusé à poser sa main sur la bouche de sa maman en signe de protestation. Il faut dire qu'il est compliqué pour un petit garçon de seulement 4 ans de rester sage pendant plusieurs heures, alors que l'agitation est folle autour de lui. Même combat pour la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince George, 9 ans, qui ont tout de même réussi à faire bonne figure pendant le jubilé de la reine. Mais les enfants de Kate et William le savent, la patience de leurs parents a des limites. Les grimaces, d'accord, mais rien d'autre. D'ailleurs, la princesse de Galles a un code secret qu'elle applique lorsqu'ils vont trop loin. Des mots qui possèdent un poids considérable, selon Tom Quinn, auteur du livre Gilded Youth. George et Charlotte se disputent chaque matin. Preuve que les enfants de Kate et William sont finalement comme les autres? Il leur arrive bien souvent de se disputer à la maison. Et c'est le futur roi d'Angleterre qui l'a dit. Dans le podcast Apple Fitness Plus Time to Walk, le prince de Galles a révélé que ses petits se disputent chaque matin. Mais pour quelle raison? La musique. Ce qui m'a étonné, c'est à quel point mes enfants ont déjà hérité de l'amour de ma famille pour la musique. La plupart des matins, il y a une bataille massive entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson doit être jouée. Et je dois, maintenant, prioriser essentiellement qu'un jour quelqu'un fasse celui-ci, et un autre jour ceste autour de quelqu'un d'autre. Alors George s'en va, puis Charlotte s'en va. Telle est la clameur de la musique, s'est amusé le mari de Kate Middleton. Une situation qui crée de véritables moments de bonheur chez les deux Galles. C'est un moment vraiment heureux où les enfants aiment danser, s'amuser et chanter, a précisé le prince William. Nous voilà rassurés.